ton avis, il a une trompe le flap à chat? Pas mal. Tu le veux? Lisa! J'ai besoin de toi pour filmer ma prochaine interview! Non, merci. Allez, s'il te plaît! Je suis sur un gros scoop! Comme quand t'as cru que c'était les ratons laveurs qui volaient le chocolat dans la réserve? Non, mieux! Comme la fois où tu as planté en direct une courgette magique dans la clairière du flap à chat? Mieux! Écoute ça! Odile et Hippolyte nous racontent enfin leur première rencontre. Alors là, tu peux toujours rêver. Ils sont beaucoup trop timides pour en parler l'un en face de l'autre. Qui a dit que j'allais les interviewer ensemble? Bonjour cher public. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour une interview exceptionnelle. Où je regarde? C'est bon, ça tourne. Première question. Selon vous, quelle est la personne la plus importante de ce camp? Oh, ça c'est facile. C'est Odile, notre directrice. Elle est l'âme et le cœur de ce merveilleux endroit. Hippolyte, bien entendu. Il pense toujours à tout. C'est l'homme parfait. Je veux dire, l'intendant parfait. Puisqu'on en parle, vous pourriez peut-être nous en dire plus sur votre première rencontre? Oh, je venais juste d'arriver au camp. Et puis... Tiens, c'est bizarre, j'ai oublié. Tu ne me souviens plus? Ah, si. Non, en fait. Vous vous souvenez vraiment de rien? De rien? Sauf que depuis ce jour-là, j'ai toujours cette fleur dans la poche. Mais je ne sais même plus pourquoi. Ah, si. Ils ont une aussi mauvaise mémoire l'un que l'autre. Ça doit être l'âge. Tu peux dire adieu à ton scoop. Tu rigoles? J'ai pas dit mon dernier mot. Hippolyte est arrivé ce jour-là au camp. Voyons ce qu'en disent les archives. Ça alors? C'est vide. Pareil pour le journal de bord du camp. Y a rien à cette date. C'est comme si cette journée avait disparu. De plus en plus bizarre cette histoire. Ça sent la magie de la forêt. Tiens, Hippolyte! Alors, on se promène? Il ne doit jamais savoir que j'ai oublié notre première rencontre. Et soyons discrètes. Elle ne doit jamais savoir que j'ai oublié notre première rencontre. Va falloir la jouer fine. Oui, je profite du beau temps. Pendant que j'y suis, vous n'auriez pas un remède naturel contre les trous de mémoire? Pourquoi me dit ça? Oh, elle a dû sentir quelque chose. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu. Hein? Elle ne me répond pas. Oh non, j'ai été trop directe. C'est malin, maintenant elle sait. Autant tout lui avouer. J'ai oublié notre première rencontre. D'après le carnet des secrets, le flap à chat tient son propre calendrier. S'il s'est passé quelque chose de magique ce jour-là, ce sera sûrement indiqué dessus. Et tu sais où on peut le trouver? Figure-toi qu'il est juste sous le camp. Tous ces passages! Tu crois que c'est le flap à chat qui les a creusés? Peut-être, mais on verra ça plus tard. Il faut d'abord régler le problème de la journée manquante. C'est là! C'est ça le calendrier? Comment ça marche? Chaque journée est conservée dans une rondelle. Tous les souvenirs de cette journée sont gravés dans les sillons du bois. Il suffit de trouver la bonne. Ça, c'est le jour où j'ai mangé des mûres légères. Faut en essayer une autre. Et dire que je n'osais pas vous l'avouer.
moi aussi. Oh, c'est bête, hein. Après tout, ne pas se rappeler d'une première rencontre, c'est pas si grave. Mais non, c'est pas comme si on était amoureux l'un de l'autre et que ça avait de l'importance. Oh, vous imaginez, bon, ce serait ballot. Oh, heureusement qu'on est juste collègues. Oh, oui, oui, oui. Bon, ben, c'est pas encore la bonne journée. Essayons la dernière rondelle, c'est forcément la bonne. C'est pour ça que la journée a disparu. C'est toi qui l'as mangée. On peut pas réparer ça. Il reste presque rien. Alors Hippolyte et Odile ne pourront jamais se souvenir de leur première rencontre. C'est triste. Hé ! Mais attends. Il en reste un souvenir. De rien. Sauf que depuis ce jour-là, j'ai toujours cette fleur dans la poche. Mais je ne sais même plus pourquoi. Faut qu'on récupère la fleur. Et toi, tu vas retourner dans la forêt. T'as fait assez de bêtises comme ça. Ben, Hippolyte, ça va pas? Si, si, ça va très bien. On peut vous emprunter votre fleur? Celle que vous gardez toujours sur vous? Je vous la donne. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je la garde dans ma poche. Il n'y a pas une seconde à perdre. La clairière du Flapacha? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Tu sais que tout ce qu'on plante ici pousse en accéléré, non? Oui, et alors? Je vais planter la fleur. Comme ça, le souvenir va refleurir. Waouh! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, je sais pas. Je pensais qu'il se passerait plus de trucs. Ça te rappelle rien? Les rondelles souvenirs! Tu as toujours le flapacha en pâte à modeler que je t'ai donné? Allez, s'il te plaît, je t'en ferai un encore plus beau, promis! Merci, Squeak! C'est pas le moment de faire de la pâte à modeler! Le moment idéal, au contraire! Et voilà le travail! Une réplique exacte de la journée disparue. Et interdiction de revenir grignoter d'autres souvenirs. Excusez-moi, je cherche la directrice. Oui, c'est moi. Oh. Vous devez être Hippolyte, le nouvel intendant. Je suis enchantée. Tout le plaisir est pour moi, madame la directrice. Tenez votre fleur. Gardez-la, c'est un cadeau de bienvenue et vous pouvez m'appeler Odile. Odile? Oui, Hippolyte? Vous avez de la terre sur la figure. Oh, je suis maladroite. Merci, Hippolyte. Pas de doute, c'est le bon souvenir. Oh! 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 Je me souviens! Moi aussi! C'est formidable! Oh!
chère Odile. Oui, enfin bon, c'est pas comme si c'était important non plus. Vous avez raison. D'ailleurs, en parlant de choses importantes, j'ai plein de comptabilité à faire. On dirait que tout est rentré dans l'ordre. Tu veux toujours le faire, ton scoop? Non, leur histoire, ça regarde personne d'autre qu'eux. Et puis, j'ai mieux maintenant. Le Flapacha creuse des passages secrets sous le camp. On y retourne? Oh non, ça marche plus. Le Flapacha aussi tient ses petits secrets. Pff, il est vraiment pas marrant. Bon, eh bien, si tu me cherches, je serai dans la cabane en train de faire de la pâte à modeler. Oh, mais j'y pense. C'est pas mal du tout, ça. La reine de la pâte à modeler nous explique tous ces trucs. N'y pense même pas. Je t'en supplie, juste une petite interview de rien du tout. Non. Des photos de tes œuvres, alors. Non. Allez, Lisa, s'il te plaît. Non.